agent secret. Trois loli rockstar, trois princesses magiques. Des filles de choc, héroïnes magiques au top. Princesses de musique pop. Avec nous. Beaucoup de chance d'être sur Terre à l'abri de Gramor. Mais en contrepartie, on est toutes les trois sans nouvelles des membres de notre famille. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'ils deviennent. Ah, je peux me cacher ici ? Hein, te cacher ? Pourquoi ? Est-ce que les jumeaux nous attaquent ? Non ! Pire ! C'est Talia ! Elle a décidé qu'on devait refaire une séance d'entraînement ! Mais il me reste plus un gramme de magie à moi ! Fin de la pause ! Allez les filles ! Excellent travail. Voilà des champs de force que personne ne pourrait franchir, pas même Gramor. Je suis à plat, j'ai plus d'énergie. Encore une petite minute. Il faut qu'on améliore notre endurance pour pouvoir tenir le coup. Vous devez rester concentrés. C'est un sort extrêmement important. Mais si l'une d'eux nous lâche trop tôt, il ne servira à rien. On ne pourrait pas s'arrêter là pour aujourd'hui, Talia. Ça fait déjà des heures qu'on s'entraîne. À force de persévérer, on réussira ce sort. De toute façon, je vois pas quand il nous sera utile. On ne peut pas savoir. C'est pour cette raison qu'il faut toujours être prête. Bon, allez, on refait une petite pause. Écoutez, le festival Groove du désert commence à Palm Valley demain. On pourrait y aller peut-être. Il y a un certain DJ Ezra qui va donner son tout premier concert là-bas. Ça a l'air intéressant, mais il y a beaucoup de sorts sur lesquels j'avais envie qu'on travaille. Oh, s'il te plaît, on s'amusera bien et on s'entraînera deux fois plus dur en revenant. Bon, d'accord, vous avez gagné, mais je vous rappellerai votre promesse. Oui. Bizarre, il n'y a que moi ou... Toi aussi, t'as l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, Iris. Non, il me dit rien. Après des mois et des mois de préparation, je vais enfin vaincre ces maudites princesses. Nous exécuterons la dernière phase du plan à la perfection. J'en doute fortement. À chaque fois que je vous confie une mission, vous échouez lamentablement. Oh, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Silence ! Cette fois-ci, vous allez avoir des renforts. Et croyez-moi, les princesses vont avoir la surprise de leur vie. Bien fait de venir. Il paraît qu'il y a plein de super artistes. Du calme, vous battez pas. Il y a assez d'Ezra pour toutes mes fans. Oh, encore une rockstar égocentrique. Comme s'il n'y en avait pas suffisamment sur Terre. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Non, rien. Enfin, je crois. Vous êtes Loli Rock, c'est ça ? Vous jouez au festival, vous aussi ? Non, on vient seulement en tant que spectatrice. Ah, dommage, je voulais vous entendre, j'adore votre son. Dans votre nouvelle chanson, c'est bien parti, le refrain est trop cool. Ah, merci, c'est moi qui l'ai écrite, celle-là. Eh ben, elle est fantastique. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, j'ai deux ou trois idées pour l'améliorer. T'es sérieux ? Ça tombe bien, je pensais justement retravailler la transition avant. Tu es Oriana, c'est ça ? Oui. Oui, c'est bien moi, mais on se connaît. Oh non.
Il y a du sable à perte de vue, mais toujours aucun signe de ton assistant. On le trouvera bien. Alors, dis-moi ton secret. Comment tu fais pour être aussi belle, pleine de talent et tout aussi... normale? Je garde les pieds sur terre grâce à ma tante Hélène et mes meilleurs amis. Et toi, raconte, comment ta famille réagit depuis que t'es célèbre? Le truc, c'est que je les vois pas souvent. Oh, là, c'est le camion de mon assistant. À l'intérieur? Où est-ce qu'il a pu aller? Au secours! Hein? Venez me sortir de là! Ma jambe est coincée sous un rocher! Hein? On arrive! Allez, viens! Il faut l'aider! Ezra, on n'a pas d'éclairage ni de matériel. Il faut retourner au festival! Non! Je veux dire, on perdrait trop de temps. Il a besoin de nous. Vite! S'il vous plaît, venez m'aider! Vistorius! Encore vous? Bien vu, princesse. Même si le piège, lui, tu ne l'as pas vu venir. Qu'est-ce que vous avez fait à l'ami d'Ezra? Oh, tu veux dire, s'il vous plaît, venez me sortir de là, je suis coincée! Son ami n'a jamais existé. Et une princesse de capturée, c'est ce que j'appelle un bon début. Ezra, t'étais de mèche avec eux? Tu m'as tendu un piège! Si ça pouvait être aussi simple. Au contraire, c'est très simple! Tu étais censé toutes nous les livrer, et il nous manque 200 kikineuses de princesses sur les trois! Laissez mes amis en dehors de ça! Tu n'es pas en position de nous donner des ordres. Ok, vous l'aurez cherché. Iris, princesse d'Ephedia! Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Cette coque de cristal a été mise au point par Gramor lui-même, après des mois de travail. Tu ne pourras pas t'en échapper. À présent, monsieur le DJ, retourne vite au festival et ramène-nous les deux autres! D'accord, mais une fois que ce sera fait, je ne serai plus sous vos ordres. Ça, c'est Gramor qui en décidera, et lui seul. Allez, dépêche-toi, file. Ezra, mais enfin, qui es-tu réellement? Et pourquoi tu aides les jumeaux? Tu comprends pas, j'ai pas le choix. Je dois leur obéir, parce que sinon... Laisse tomber. Je crois que tu serais sous le choc s'il te le disait. Mais pourquoi? Explique-moi! Ezra! Ezra! Mon pendentif, ça veut dire qu'Ezra a besoin d'aide? J'y comprends rien. Est-ce que tu as vu Iris? Ça ne lui ressemble pas de disparaître sans donner de nouvelles. Tu crois qu'on devrait s'inquiéter? Tout se passe bien, les filles? Oui, mais Iris n'est pas avec toi. Quoi? Elle ne vous a pas dit la bonne nouvelle? Après avoir retrouvé mon assistant, on a décidé que Lollyrock monterait sur scène avec moi. C'est super cool, non? On va monter sur scène avec DJ Ezra? Trop génial! Mais alors, où est Iris? Elle nous attend dans un coin tranquille pour faire une répétition. Je vais vous y emmener en buggy. Allez, venez. On va le suivre, mais quelque chose me chiffonne. Il ne m'inspire pas confiance. Garde l'œil ouvert. Christel Factus! Est-ce que tu peux être pitoyable? Tes petits sorts ne pourront rien contre cette coque de cristal. Gramor l'a très bien conçue. Elle résiste à toute forme de magie. Quand elles s'apercevront de ma disparition, mes amis vont vous faire passer un très mauvais quart d'heure. Quand elles s'apercevront que tu es notre prisonnière, il sera trop tard. Parce qu'elles te tiendront compagnie. Oh, ça c'est ce qu'on verra. Tu entends? Les voilà qui arrivent. C'est parfait. Notre plan se déroule comme prévu. Attends, c'est là qu'on est censé répéter? Dans une grotte? Oui, je sais que ça paraît bizarre, mais là-dedans, il y a une acoustique exceptionnelle. Je te le fais pas dire, Amaru. Moi non plus, j'aime pas ça. De toute façon, il faut bien qu'on aille voir si Iris est à l'intérieur. Non, ne t'en fais pas pour elle! Vistorius! Oh! Laisse-moi sortir!
s'occuper de lui. Cristal Oblitero! Mais qui va s'occuper de moi? Vistorius! Où crois-tu aller comme ça, Vermine? Vistorius! Mission accomplie! Nous avons la collection complète. Oh, Cristal Offensio! Talia, tu perds ton temps. Il faudrait un sort surpuissant pour briser ces coques. Ah. Oriana, je suis désolée. Pardon de vous avoir piégé. Une seconde, ça me perturbe depuis hier. J'ai l'impression de te connaître. Où est-ce qu'on s'est vu? Tu es mon frère? Jordan? Mais comment c'est possible? Tu te souviens de l'attaque sur le palais? Grammor m'a enlevé. Moi et tout le reste de la famille. J'ai réussi à m'échapper in extremis, mais je savais pas ce qui vous était arrivé. Grammor nous a jetés en prison. Il retient nos parents en otage, et il m'a obligé à travailler pour lui. Je suis désolé. Comme c'est émouvant. Ne vous en faites pas, vous pouvez discuter longuement. Préparez-vous à passer du temps ensemble, beaucoup de temps. J'ai fait votre sale boulot, Grammor. Dès que les princesses seront sur Ephedia, vous libérerez ma famille et Oriana, n'est-ce pas? Vous me l'avez promis. Vraiment? J'ai fait ça? Hein? Dépêchez-vous d'ouvrir la faille! Nous n'avons plus besoin de toi. Je sais pas ce que je dois penser. Oriana, mon pendentif s'est mis à briller pour qu'on aide ton frère. Il faut briser ces coques d'une façon ou d'une autre. Mais comment? Ils ont retourné mon propre frère contre moi. Ça se passera pas comme ça, on va leur faire regretter. Il faut déjà s'échapper, mais les parois des pièges de cristal absorbent la magie. Ah oui, vraiment? On va voir quelle quantité elles peuvent en absorber. Cristal Exera! Oriana, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je crois que j'ai compris. Si on lance un sort suffisamment puissant, les coques pourraient exploser. Cristal Exera! Vous n'auriez pas dû nous chercher. Talia, princesse de Xeris! Transformé, et alors? Nous avons plus d'un tour dans notre sac, vous savez. Praxina... Alterodere!
comment ils font pour enchaîner autant d'incantations? Nous nous sommes beaucoup entraînés. Inutile de courir, vous vous fatiguerez bien avant nous. Continue, Praxina. Pauvre idiot! Chrissem! Chrissem! Ça a vu! Oh! C'était mon scorpion préféré! Comment avez-vous osé? Et quant à toi, tu vas voir comment je punis les traîtres! Chrissem, Colisium! Jordan, tu m'as sauvé, comme quand on était petit. Ne criez pas victoire trop vite, ce n'est pas encore fini. Les Voltans aiment bien les boucliers, pas vrai? Vous allez découvrir ce que ça fait d'en être un. Non, Talia, c'est trop risqué. Alterina! Direction la faille, satanée princesse. C'est vous deux qui allez finir dedans! Attrape ma main, je vais t'aider! Non, ce serait trop dangereux! Mais je veux pas te perdre encore une fois! Ne t'en fais pas, ça ira! Je t'aime, petite sœur! Désolée pour ton frère. Moi aussi, Oriana. Je venais juste de le retrouver et je l'ai perdu encore une fois. Il faut annoncer au public que le concert n'aura pas lieu. Est-ce que je pourrais avoir votre attention? Malheureusement, DJ Ezra ne peut pas être des nôtres ce soir. En fait, il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Non, c'est pas possible, arrête de m'y appeler. Alors je suis désolée, mais le concert est annulé. Hé, c'est pas une des filles de Loli Rock? Loli Rock, Loli Rock, Loli Rock, Loli Rock. On dirait qu'ils tiennent vraiment à avoir un concert. Tu pourrais chanter, Oriana. Ça te changerait les idées, après ce qui s'est passé. Une minute, c'est un message d'Ephedia. Jordan ? On finira par se retrouver, Oriana. Loué soit les mêmes arrivations ! Je me faisais tellement de soucis ! Jordan !
Orianna était tellement heureuse de revoir son frère. Je la comprends. Moi aussi, j'adorerais revoir mes parents. Il faut que je sois patiente. Ce jour arrivera, j'en suis certaine.